Salut les amis, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve une nouvelle fois au col de garde et cette fois-ci je suis en compagnie de Priscilla. Donc la vidéo sur le col de garde, si vous voulez la voir, vous cliquez sur le lien un peu plus haut. Après visionnage de cette première exploration, Priscilla a remarqué qu'il y avait une caisse sur le sol. Effectivement, je la touche du pied, mais je n'avais pas spécifiquement porté attention. Au final, ça me semble être une caisse militaire avec du matériel à l'intérieur. Et donc nous avons décidé de retourner dans le bunker afin de retrouver cette caisse. Je vais allumer la frontale, hop. Je ne me rappelle pas l'avoir fermée, je pense que j'ai laissé ouverte, mais il y a dû y avoir du passage entre temps, je présume. C'est quoi ça? C'est une cartouche CO2 ça. Elle est bloquée. Ah, attends, tiens-moi ça. Je vais prendre la tête, si jamais rester derrière. Ouais. Je vais laisser quelque part. Attention, il y a plus d'araignée énorme peut-être de grimper à côté de la porte. Bon, c'est pas très grave ça. Les gars, juste si je peux avoir d'éclairage au fond. Donc, là, les portes ont été fermées là. Oui, on va être prudent. Comme je dis, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un rôdeur. Des cartouches à CO2 et des billes. Tu joues au paintball, je dirais. L'airsoft. Ouais, ah, bon, les gars, vous me direz hein, si je dis des conneries ou pas. Je pense que c'est des. Je dirais que c'est des grenades airsoft. C'est des genoux qui ont dû venir s'amuser ici. On va quand même faire gaffe, hein, quand même. Hein. Devant, attention, la rigole. Ici, ouais. C'est vautré. Bon, il a failli avoir un mort. Toutes les portes ont été fermées là. Alors, ah, attends, tiens, tu peux me tenir l'éclairage, s'il te plaît. Je vois que le chien il bouge pas là. Ah, c'est bon. Ça la bloque un peu. Attends, laisse-moi juste passer devant. Ah oui, c'était jamais vu, c'est pour ça à la base aussi qu'on t'emmène. Là, tu vois, c'est vraiment intact. Ouais, c'est bon. C'est vraiment dans un bon état. Enfin, à part le fait qu'il se cisaille un peu plus loin, quoi. Mais à part ça, il est en bon état. Alors là, on n'a pas compris pourquoi, l'autre fois, pourquoi la porte était attachée comme ça. J'ai un trou particulier. Peut-être, ouais, c'est possible. Si je me rappelle bien, sur la vidéo, la caisse est plus loin ou par là, je sais plus. Tu veux monter voir là-haut ou... Ouais, vas-y. Vas-y. C'est pas ce trou, il y a 10 mètres, 15 mètres. Je reviens en
jambe. Ah, tu es presque, on va pouvoir abandonner maintenant. Allez, tu y es. Tu as de l'éclairage, hein? Oui. Bon, je te laisse apprécier. Hein. On se retrouve un peu plus tard. On va la laisser visiter. Voilà, donc on reprend la visite. Hein. Donc Priscilla est allée explorer. Donc c'était la tourelle. Bon, nous, ici, là, c'est pas le but. Hein. Mais bon, si vraiment ça vous intéresse, donc il y a la vidéo. Hein. Donc c'est le bunker du col de garde. Je vous invite à aller la voir hein, si ça vous tente. Donc nous on va poursuivre et on repart à la recherche de cette caisse. Ah oui, on a l'endroit des bâches. Des bâches bizarres. Tout était fermé là. Où c'était là? On a dû la dépasser. Ça te dit pas? Je sais pas quand t'es diable. Bon. J'ai déjà fait une. Allez, on va de l'autre côté. Donc c'est pas là, mais j'étais persuadé que c'était par là, tu vois. Donc, c'est de l'autre côté. Forcément. Si c'est pas là. Sentez ce genre de renfermé de cave à vin. Bon ben là pour l'instant, pas de trace de la caisse. Donc je pense que, il me semble que c'était où il y avait le moteur. Je pense que la caisse a été prise. On voit qu'il y a eu des activités avant que ce soit là. Ah ben voilà. Ouais ben écoutez, je me suis pas né. On a retrouvé la caisse. Donc voilà cette fameuse caisse. Fameuse caisse, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Tu te mouilles? Ah bon, j'ai du boulon. Putain, c'est gras. Très gras. Ah, il y a un volant pour van. Ça, c'est du boulonnage. Ça, c'est quoi? C'est un équerre? Ouais. Prends un bâton pour se ressouler. Ah, prends ça. Ouais. Avec ça dedans plutôt. C'est la graisse. Tiens, clairement. Ouais, c'est un monsieur. Un peu plus de pêche. Pour l'instant, c'est que de la boulangerie. Hein. La flotte au fond. Le bois plie. Que la boulangerie en fait. Bon ben voilà cette fameuse caisse. Donc pas de trésor, pas de plan, pas. À part la boulangerie, on a un ressort et un volant pour van. Bon, voilà cette mystérieuse caisse. Bon, allez, pour le fun, on va continuer l'explo, hein, voir ce qu'il y a au fond du fort et du bunker, pardon. Et on se retrouve tout de suite. Bon, eh bien, on a
continue l'exploration de cet ouvrage pour Priscilla qui ne connaît pas quoi. Donc là on est sur un bloc d'entrée ou de sortie. Je ne me rappelle plus trop quel bloc c'est. Et Priscilla a découvert l'ascenseur, le pont de charge. Ça lui plaît. Elle aime bien, elle joue avec depuis tout à l'heure. Voilà, Priscilla découvre l'électricité. C'est fou, hein, c'est intact. Hein. Ah ouais. C'est vraiment bien conservé. Mieux que ce dans le bas, c'est-à-dire qu'il a, il a pas été, enfin cette partie n'a pas été saccagée. C'est ça qui est bien. Et, par contre, referme-le. Enfin, quand t'as fini de jouer, quoi. Si vous explorez ces édifices, essayez de refermer les boîtiers. Comme ça, les prochains qui viendront visiter, ce sera dans l'état où vous l'avez trouvé. Quoi. Ça protège un peu mieux de la corrosion. Surtout que là, on est en milieu marin. Donc ça va pas totalement protéger, mais ça va faire perdurer un peu plus. Sait-on si un jour une agence récupère ce bunker pour le rénover, ça serait cool. Je voilà, pense que s'il quand y arrive. Tu te bloques les doigts là. Alors avant, tu te bloques les doigts, je pense que c'est. Oui, c'est probable. Tu vois là, c'est intact, hein, tu as vraiment toutes les alignes. Donc, quand il y a rien, du coup, on va ouvrir. Allez, on va descendre. Bravo! C'est ça! Tu fais longtemps au grade! Donc on a dépassé l'avant? Non, vas-y. Non, mais on a dépassé, c'était là-bas les gars! Je me suis repéré à la porte bloquée avec le scotch orange! Ouais, si on commence à se paumer, c'est pas bon les gars! Ça, on l'a vu tout à l'heure, et j'expliquais que la fois d'avant c'était déjà comme ça! Donc. Pour moi, c'est ici. Ah, c'est bon. La porte est bloquée. J'ai pas pu l'ouvrir. Trois jours plus tard. 60 ans plus tard. C'est excellent. Ah, je me suis pris ça quand même. Hein. C'est quoi? Ça. Ah ouais, bien.